Le Honda BR-V est le tout nouveau SUV compact de la marque japonaise. Sa particularité, malgré d'être compact, c'est d'avoir 7 places. C'est donc un véhicule qui s'adresse aux familles. Et que font les familles le week-end? Elles vont à la plage. C'est pourquoi nous avons décidé de tester le Honda BR-V ici à Flic en Flac. Le Honda BR-V a un style qui lui est propre. La face avant a un design très travaillé, avec une signature lumineuse moderne et agressive grâce à des phares effilés. On retrouve un bandeau de couleur chrome qui surligne la calandre et traverse même les optiques. Ce bandeau est la signature stylistique de Honda. Le bouclier a des lignes tendues qui donnent un style sportif à la proue. Les lignes sont plus consensuelles sur les côtés. Le Honda BR-V semble étiré dans sa longueur, ce qui présage une bonne habitabilité. Des renforts en plastique noir au-dessus des passages de roues donnent l'impression que la voiture est prête à s'aventurer hors des sentiers battus. L'originalité est de retour à l'arrière. Les feux semblent avoir été placés le plus possible aux extrémités, ce qui dégage une large surface au centre du rayon. Vu de derrière, le Honda BR-V semble trapu. Son bouclier est plutôt musclé, avec des renforts en plastique noir et une partie inférieure de couleur gris mat. Notre modèle d'essai dispose du niveau de finition le plus élevé. Il s'agit de la version élégance. L'habitacle est relativement sobre, le tableau de bord est élégant avec quelques inserts de cuir synthétique. Les plastiques sont cependant durs, ce qui signifie qu'ils sont de qualité moyenne. Mais la sellerie est de qualité. Elle est en cuir synthétique. On note la présence d'un écran tactile sur le tableau de bord. Il donne accès au menu de l'infodivertissement. Ce dernier est plutôt simple, il va à l'essentiel. C'est également le cas de l'instrumentation. Bien qu'un petit écran placé au centre affiche quelques informations importantes, les compteurs situés de part et d'autre sont à aiguille. On retrouve du cuir synthétique sur le volant, mais également sur les contre-portes. La seconde rangée de sièges est confortable et spacieuse, aussi bien au niveau de la tête qu'aux jambes. Nous avons deux places supplémentaires, accessibles assez facilement. Voilà. Alors, les places sont un peu étroites pour deux adultes, mais idéales pour les enfants. Même si le Honda BR-V n'est pas un SUV haut de gamme, le constructeur l'a tout de même doté de son pack d'assistance à la conduite. L'auto peut donc détecter certains dangers et anticiper les accidents comme une collision avec un piéton, un cycliste ou un autre véhicule et ainsi freiner automatiquement d'urgence. Le SUV est capable de détecter des lignes blanches et ainsi de redresser lui-même sa trajectoire s'il sort de sa voie. Bien entendu, cette assistance ne se déclenche pas si le conducteur a mis son clignotant pour changer de voie ou de direction. Le Honda BR-V dispose d'un moteur essence d'1,5 litre à 4 cylindres qui développe 121 chevaux de puissance et 145 Nm de couple. Ce bloc est associé à une boîte de vitesse automatique à variation continue. Les amateurs de conduite plus sportive ou qui préfèrent garder le contrôle sur les rapports peuvent l'utiliser en mode séquentiel grâce aux palettes au volant. Dans ce cas, la boîte de vitesse s'étage en l'équivalent de 7 rapports. Cette boîte de vitesse se montre plutôt efficace, que ce soit en mode CVT ou séquentiel. Les 120 chevaux sont suffisants car le poids de la voiture est contenu. En effet, le Honda BR-V ne pèse que 1289 kg dans la configuration de notre modèle d'essai. Sans être fulgurante, les accélérations et les reprises sont bonnes et adaptées à une conduite au quotidien. La tenue de route du SUV est bonne, même en virage rapide. Il tient le cap et il prend peu de roulée, ce qui est un bon point pour un SUV dont le centre de gravité est haut perché. Les suspensions sont en effet plutôt fermes, mais cela ne gêne en rien le confort. Le Honda BR-V est un SUV qui devrait faire le bonheur des familles malgré son gabarit contenu. Il faudra bien entendu choisir entre 7 places ou un coffre volumineux, mais son habitabilité est bonne, d'autant que la troisième rangée est composée de deux vrais sièges, pas des strapontins. Le véhicule est confortable et la motorisation efficace. La tenue de route est bonne et les assistances à la conduite augmentent le niveau de sécurité. Mis à part des plastiques durs sur la planche de bord, les finitions sont bonnes sur notre modèle d'essai.